Bonjour à tout le monde, donc Alix Romagnac. Yves Tremblay, enchanté. Et très honoré d'être avec vous aujourd'hui, et puis je dirais encore plus depuis qu'à midi, j'ai eu connaissance qu'on intervenait en gros 100 ans après un congrès de l'eau qui s'est passé à Montpellier en 1923, et dont le sommaire pourrait être à peu près le même que le sommaire de la conférence d'aujourd'hui, avec des sujets extrêmement intéressants. Donc on a de la pression sur les épaules pour savoir si les actes qui à l'époque ont été rédigés par M. Flao seront les nôtres, seront du même niveau. Mais on va essayer cet après-midi d'être dans cette logique. Alors, on va faire cette présentation à deux voix et effectivement, on va essayer de commencer l'après-midi en parlant, et c'est un sujet malheureusement qui est trop partagé aujourd'hui, du dérèglement climatique, et avant de rentrer dans le détail plus scientifique, de savoir quelles sont ses conséquences, comment y faire face, j'aime bien, quand je parle de ce sujet, démarrer avec cette image, et je sais qu'après nous, quelqu'un du Centre spatial de Montpellier doit intervenir, donc on va être dans l'espace avant de lui donner la parole. Et ça, c'est une image qui a été prise par Thomas Pesquet quand il tournait au-dessus de nos têtes il y a quelques mois. Et en fait, sur cette image, ce qui m'intéresse, c'est surtout la limite entre le globe et puis le fond noir au fond. Et en fait, cette petite ligne bleue, blanche, que vous voyez, qui est vraiment une peau très très fine qui recouvre la planète, et en fait, cette peau, c'est l'atmosphère. Ça fait autour de 10 km. Et en fait, c'est là que tout se passe, en fait. Et quand on voit cette image, je trouve qu'elle est, elle explique bien, elle fait prendre conscience d'un certain nombre de choses. Parce que la nuit, quand on sort et qu'on voit les yeux au ciel et qu'on voit les étoiles, on voit l'immensité, et on se dit, mais ce que je produis, là, mon gaz carbonique, là-dedans, c'est quoi? C'est immense, en fait. Et on ne prend pas conscience qu'en fait, c'est pas immense. C'est 10 km. C'est-à-dire qu'en voiture, même en allant doucement, si on y allait, en quelques minutes, on serait sorti de cette atmosphère. Et ça fait maintenant 150 ans qu'on produit du gaz. On en est responsable. On voit les sondages, 25% des Français ne croient pas encore aux dérèglements climatiques. Donc, vu le public dans la salle, je pense qu'on est en dessous de ce seuil. Mais il est important de le dire et de le redire. Le dérèglement climatique, c'est pas une idée, c'est pas un fake, c'est pas... C'est vrai, et nous en sommes responsables. Alors, à une autre époque, les gens ont dit responsable, mais pas coupable. Je pense que c'est vrai, parce qu'on n'en avait pas conscience. Mais on ne peut démarrer cet après-midi sans dire cet aspect. On est responsable de ça. Aujourd'hui, il ne faut plus en parler au futur. Ça fait des années, et la région, on le sait bien, que les événements climatiques qui nous touchent, et on reviendra tout à l'heure, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours, on est sur le pont sur ces sujets-là, ben c'est déjà les conséquences de ce qui se passe, et on va essayer de cet après-midi d'éclairer sur ce sujet. Alors, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, le terme pendant longtemps, on parle de réchauffement climatique, et on l'associe uniquement à température. Augmentation des températures. Et c'est plus complexe que ça. C'est-à-dire que quand on fait augmenter la température de la planète, de l'atmosphère, d'un degré, d'un demi-degré, d'un degré et demi, ben, il y a des tas de conséquences. Ça bouleverse les régimes hydrologiques, ça bouleverse la capacité de l'atmosphère à retenir de l'humidité. Ça réchauffe les océans, ça assèche les sols. Et donc il y a des conséquences qui sont aujourd'hui, que l'on vérifie tous les jours, tous les ans. Hier, avant-hier, il y a eu une annonce, le mois d'octobre 2023 a été le mois d'octobre le plus chaud mesuré sur la planète depuis 1850. Et celui-ci faisant ensuite au mois de septembre 2023 le plus chaud mesuré sur la planète depuis 1850. Mais ces éléments-là, c'est aussi des sécheresses, c'est aussi du coup des feux de forêt, c'est aussi des événements extrêmes en Méditerranée. Tout le monde a en tête ce qui s'est passé en Libye à l'automne. C'est face à ça que l'on va essayer de voir comment s'adapter, parce qu'on vit, nous,
en région Occitanie, Languedoc-Roussillon, à proximité, c'était la Méditerranée. Cette Méditerranée, Yves y reviendra. Elle a la caractéristique d'être une mer fermée. Donc aujourd'hui, canicule terrestre génère des canicules marines et la Méditerranée se réchauffe plus vite que toutes les mers et océans de la planète parce que c'est une mer fermée. Et cette mer fermée qui se réchauffe plus vite que les océans de la planète, ben elle a des conséquences. Peut-être, Yves, je vais te passer la parole juste après ça. Comment elle a des conséquences, hein? La mer se réchauffe et c'est un réservoir d'humidité, c'est un réservoir d'énergie. Et tous les événements, on va y revenir, les événements cévenols, les événements méditerranéens, c'est quoi? Ben c'est cette Méditerranée qui produit de l'air très humide, qui fournit le carburant, et puis un moteur, c'est de l'air froid qui arrive en altitude, qui génère la convection et qui fait ces précipitations. Et ce processus-là, ben il s'est mis en œuvre, il a des conséquences. Et peut-être, Yves, je te laisse rentrer plus dans le détail de toutes ces conséquences. Merci Alix. Merci pour cette intro. Du coup, j'ai plus besoin de parler de changement climatique, c'est très pratique. Donc oui, j'avais préparé une petite présentation assez factuelle. Alors je sais qu'on sort du repas, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas trop de chiffres, pas trop de figures, mais quand même pour figer un peu les esprits sur d'une part ce qu'on sait, ce qui est observé, ce qui est mesuré, et d'autre part ce qu'on sait un peu moins, les scénarios futurs et tout ce qui est incertitude. Et quand je fais ce genre de conférence, en général, j'aime bien récupérer les données de la station météo la plus proche, sur laquelle on peut récupérer des températures, des précipitations. Alors c'est ce que j'ai fait pas à Montpellier, parce qu'en fait la chronique n'était pas assez longue. On a plusieurs stations à Montpellier, à l'aéroport, à Prades, Saint-Martin-de-Londres. Là j'ai pris des données de Nîmes-Courbesac, donc c'est pas très très loin d'ici, hein. Puisqu'il y a des séries là, de températures, où il y a le graphique à l'écran qui commence dans les années 1920 jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai tracé deux informations très simples. C'est la moyenne des températures maximales et minimales pour chaque année. Et là, vous voyez, il n'y a pas trop d'équivoque. On a eu un plateau, on va dire, jusque dans les années 80. Et ensuite, on voit très clairement une hausse des températures, à la fois minimale et maximale. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on observe d'une part en Méditerranée, avec des températures qui sont réchauffées de l'ordre de plus 1,5 degré depuis 40 ans, et aussi à l'échelle mondiale, avec bien sûr des disparités pour différentes régions. Deuxième chose, alors il n'y avait pas les données par Nîmes-Courbesac, j'étais un peu plus loin, à Saint-Hippolyte-du-Fort, mais là c'est intéressant, ces données de précipitation, et vous voyez donc les petites barres, c'est des pluies journalières, hein, et qui sont mesurées depuis très longtemps, puisque la chronique, vous voyez, commence vers les années 1890, donc là ça commence à être un peu intéressant comme historique, et vous voyez un beau trou dans les données d'ailleurs, dans les années 20-30, on ne sait pas pourquoi. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a pas forcément de tendance marquée, hein, on ne voit pas une dégringolade des pluies, en tout cas pas sur ce graphique. Par contre, vous voyez très nettement, à partir des années 70-80, un peu plus de traits bleus qui tapent dans des valeurs assez fortes, dans les 150-200 mm, et là, donc, c'est les pluies intenses, et on voit clairement, pour cette station en tout cas, ce n'est pas le cas partout, hein, dans toutes les stations Météo France, on n'observe pas forcément ça, mais en tout cas pour Saint-Hippolyte-du-Fort, donc pas très loin de chez nous, on voit quand même que les épisodes méditerranéens intenses ont tendance à être un peu plus forts, hein, puisque dans les décennies, dans les années 40-50, on n'avait pas ces valeurs aussi fortes. Et troisième et dernier graphique là-dessus, là j'ai simplement pris les cumuls annuels de précipitations, donc on a pour chaque année, pareil, de 1880 à 2020, ce qu'il a plu. Et là, moi, je ne sais pas, moi, je vois rien. Dites-moi dans la salle si vous voyez quelque chose. Mais moi, il n'y a pas vraiment de tendance. Il y a des cycles, hein, il y a beaucoup de variabilité. Ça, c'est une caractéristique quand même assez marquante du climat méditerranéen. Des années, il pleut, des années, il ne pleut pas. Mais on ne peut pas dire, en fait, qu'il y a une baisse des précipitations. Alors, pourquoi j'ai commencé par ça? C'est parce qu'en fait, les résultats qu'on obtient ici, avec des stations très proches de chez nous, ben, en fait, c'est très représentatif de ce qu'on observe sur toute la Méditerranée, donc tout le pourtour méditerranéen, pas uniquement en France, avec une hausse des températures. Des précipitations qui ne changent pas forcément beaucoup, par contre des précipitations intenses qui ont tendance à être un petit peu plus fortes avec le temps. Donc voilà, comme quoi on peut partir du local et en fait avoir des informations déjà basées sur des observations. Là, il n'y a pas du tout de modèle dans ce que je vous ai montré, il n'y a pas de scénario climatique, c'est juste des observations sur 100-150 ans de recul. Et c'est à partir de ce type de données qu'on peut détecter les impacts du changement climatique. Alors aujourd'hui, cette session est consacrée aux extrêmes, donc c'est pour ça que j'ai focalisé sur la thématique d'une part des pluies intenses et des crues. Dieu sait que c'est d'actualité dans notre région méditerranéenne, donc voir comment elles évoluent au cours du temps et éventuellement les scénarios futurs. Et un deuxième aspect qui a été dans l'actualité énormément l'été dernier et cette année, c'est la sécheresse, hein, on va dire que c'est l'autre aléa majeur en région méditerranéenne. Alors, sur les pluies intenses, je pense que vous êtes tous de la région, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est la région de France, donc les départements qu'on voit en rouge, c'est les seules régions de France en fait où on observe des pluies intenses là qui peuvent dépasser 200 mm en un jour.
Donc on a tous vu ça à Montpellier, quand il pleut des trombes, on va se réfugier quelque part, il ne faut surtout pas prendre la voiture en passant. Voilà, donc on est vraiment la région la plus impactée par ces phénomènes. Et j'aime bien citer cette étude en fait, d'un collègue de Météo France, puisque c'est tout simplement la plus complète à ce jour. Il a pris plus de 700 stations météo, il y a tous les points bleus, donc ça fait comme un paquet de données. Et en fait, il a montré assez clairement qu'en fait, tout comme je vous ai montré tout à l'heure pour la station d'Hippolyte Dufort, une augmentation des pluies intenses, bien, effectivement, ce phénomène est observable sur tout le pourtour méditerranéen français, avec une augmentation des maximums annuels de précipitations, des superficies touchées, donc par les épisodes pluvieux intenses, et du nombre d'épisodes aussi qui devraient être un peu plus fréquents. Alors ça, c'est peut-être un peu moins certain, mais en tout cas, vous voyez la courbe en haut, il y a quand même une tendance à l'augmentation de ces pluies intenses. Alors, quand on parle de... Alors ça, c'est la partie historique, hein, c'est uniquement des données d'observation qui ont été analysées sur plusieurs décennies. Et si on regarde les scénarios futurs, alors là, c'est autre chose, c'est des modèles de climat qui vont produire des scénarios climatiques futurs en fonction de ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre. Donc quelque part, on a différents scénarios qui sont des choix de société quelque part. Si on prend des mesures drastiques, notamment respecter les accords de Paris, eh ben on n'ira peut-être pas vers le scénario le plus pessimiste. En tout cas, pour les plus intenses, dans les scénarios actuels, là où il y a deux cartes pour deux scénarios, alors le scénario du bas, c'est le scénario du pire, le plus pessimiste. Le scénario du haut, on va dire, c'est un scénario presque optimiste, mais pas tout à fait. En tout cas, on voit que dans les deux cas, on est en rouge dans le sud de la France, l'Italie, les Balkans, c'est-à-dire qu'on s'attend à une augmentation dans le futur, de même manière qu'elles ont augmenté depuis 20-30 ans, et bien les pluies intenses vont continuer à s'intensifier. Donc ça pose des soucis quand même en termes de gestion de crise et gestion des risques, puisque notamment en milieu urbain, dans des zones imperméables, et bien, on va mécaniquement s'attendre à plus de ruissellement et donc potentiellement plus de dommages. Après, alors j'ai fait cette petite infographie pour bien expliquer que la pluie, c'est un paramètre météo. Hein, ça tombe des nuages, la pluie, on est d'accord. Une fois qu'elle tombe au niveau du sol, il peut se passer différentes choses. Donc de la pluie plus forte dans un milieu urbain, donc vous avez vu Montpellier, il y a des grandes surfaces bétonnées, très bien, donc ça ruisselle. Donc assez mécaniquement, l'eau ne peut pas s'infiltrer. Et face à des épisodes de pluie intense plus importants, et ben on s'attend mécaniquement à du ruissellement et des dommages plus importants en milieu urbain. Par contre, dans des sols naturels, alors j'ai mis naturel entre guillemets, puisque... Moi, je ne sais pas, en France, il y a encore beaucoup de sols naturels, on pourra en discuter s'il y a des pédologues dans la salle. Mais dans des sols dits naturels ou cultivés, mécaniquement, l'eau peut être stockée de différentes manières, alors plus ou moins efficacement, selon le couvert végétal. Et ce n'est pas vrai du tout, en fait, que l'augmentation des pluies intenses augmente les crues fluviales, donc le débordement des cours d'eau. Et on aurait tendance à observer, en fait, l'inverse. C'est-à-dire que, du fait des conditions d'aridité croissantes, et je vais revenir là-dessus après, en fait, on n'a pas d'augmentation des crues fluviales, je répète, pas des crues liées au ruissellement, mais dans les cours d'eau, on n'observe pas de changement, en fait, à l'heure actuelle, en France, dans le sud de la France, les bassins méditerranéens, mais aussi dans beaucoup d'autres régions du monde. Voilà. Donc, grosso modo, il n'y a pas de conclusion à tirer pour l'instant sur les crues. Troisième et dernier volet, l'impact sur les sécheresses. Alors, on a eu quand même deux étés assez remarquables à ce niveau-là dans beaucoup de zones du sud de la France. Là, depuis, j'ai regardé hier, en fait, à Perpignan, il a plus de 200 mm depuis le début de l'année. Normalement, il pleut deux fois plus, 400 mm. Et pour donner un ordre de grandeur, 200 mm, c'est la pluie annuelle à Marrakech, donc au sud du Maroc. Donc, vous voyez bien les changements à l'œuvre actuellement sur la répartition des précipitations, les sécheresses et quels impacts sont attendus. Donc là, c'est un petit peu des banalités, vous avez déjà sans doute vu ça plein de fois, mais il y a différents types de sécheresses. Il y a la sécheresse dite météorologique, quand il s'arrête de pleuvoir, très bien. Mais en termes d'impact, ce n'est pas très important quelque part, puisque en fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'eau disponible dans les sols. Donc on regarde avec beaucoup plus d'intention les sécheresses dites agronomiques du sol ou hydrologiques au niveau des cours d'eau, puisque tout simplement, c'est là que l'eau est disponible soit pour les plantes, soit dans les cours d'eau pour les prélèvements. Et ce qu'on observe en changement climatique, c'est plutôt une augmentation des sécheresses liée à l'augmentation de l'évapotranspiration plutôt qu'une baisse des précipitations. Et on l'a vu tout à l'heure, vous avez vu la chronique de pluie sur 120 ans à Saint-Hippolyte-du-Fort, on n'a pas d'évolution des cumuls de pluie. Pourtant, on a des sécheresses plus fréquentes. Et ça, c'est lié à la forte hausse des températures dans notre région qui entraîne en fait une augmentation de ce qu'on appelle l'évapotranspiration, donc l'évaporation de l'eau là, qui serait à espace libre, et la transpiration des plantes. Plus il fait chaud comme nous, plus les plantes transpirent. Et donc en fait, on a beaucoup plus de pertes en eau dans les sols liées à l'augmentation des températures. Donc le vrai mécanisme lié à l'augmentation des sécheresses en Méditerranée, c'est pas la baisse des précipitations. D'ailleurs, dans les scénarios futurs des différents modèles de climat, c'est une variable assez incertaine. Alors il y a beaucoup de modèles qui prévoient une future baisse des précipitations, mais pour l'instant, les observations ne corroborent pas cette information. Donc on prend ça avec des pincettes.
Par contre, le vrai mécanisme le plus important, c'est la hausse très importante des températures et qui augmentera mécaniquement les déficits en eau du sol. Alors l'impact des sécheresses, là aussi je pense que c'est maintenant assez connu. Alors tant mieux que ce soit connu, parce qu'en fait c'est des impacts maintenant assez importants qu'on commence à observer près de chez nous de manière assez fréquente. Donc je pense que c'est important que les gens soient sensibilisés aux impacts attendus, notamment sur l'agriculture. Concrètement, il y a beaucoup d'études qui montrent que la culture de la vigne, d'ici quelques décennies, sera quasiment impossible, en tout cas si on conserve les mêmes pratiques culturelles que maintenant, les mêmes types de plants de vigne, etc. Donc ça appelle à des changements assez drastiques dans les pratiques d'irrigation, l'adaptation des cultures, en termes de pratiques, mais aussi en termes de variétés qui sont plantées. Et évidemment, l'autre aspect majeur que vous connaissez tous, c'est l'impact sur les feux de forêt, alors qu'ils ne sont pas dans notre région causés par des phénomènes naturels, mais quand on a des conditions de sécheresse, notamment du sol, très marquées, c'est toutes les conditions propices à des feux de forêt importants. Voilà, et qui s'étendent d'ailleurs en dehors du contexte méditerranéen. On a vu l'été dernier des feux très importants dans le nord de la France, des régions qui n'étaient pas auparavant impactées par ces épisodes. Donc là, un autre graphique, ça c'est pas de moi, c'est Météo France, qui montre la superficie par an de la France touchée par des sécheresses. Et là encore, vous voyez la courbe noire qui monte un peu en escalier. Et en fait, on a mécaniquement, depuis les 30 dernières années, une augmentation globale du risque sécheresse en France, pas que en Méditerranée. Voilà, je crois que j'ai fini là-dessus. Non, j'aime encore ça. Donc, pareil, c'est un peu des graphiques pour illustrer, mais c'est pour vous montrer ça, c'est le parallèle entre, d'une part, les données d'observation. Quand on travaille sur des décennies de données mesurées, il n'y a pas trop de... Enfin, pas trop contester ça, quoi. Quand on observe la température qui monte, elle monte, voilà, on peut dire que c'est pas vrai, mais en fait, si on voit les chiffres, force est de constater que c'est le cas. Et le contraste entre ces données d'observation de longue période et les scénarios futurs, qui, eux, sont plus incertains, on est d'accord, et qui sont surtout très liés à nos émissions de gaz à effet de serre, donc nos, quelque part, nos choix de société. Donc là, vous avez une autre illustration. Toutes les zones en marron foncé, c'est les zones du bassin méditerranéen qui sont de plus en plus sujettes aux sécheresses depuis 30 ans. Et on voit le sud de la France, notamment la partie à cheval sur la Catalogne, Pyrénées, et notamment le Maroc. Hein, c'est un très gros spot du changement climatique en Méditerranée, avec peut-être l'endroit où les pluies vont baisser de manière la plus drastique, avec la hausse des températures aussi la plus forte. Donc c'est vraiment une zone à risque. Et je vais finir là-dessus. Donc là, vous avez précédente carte, c'était le diagnostic en climat historique, donc sur 30 ans passés. Et là, c'est ce qu'on attend dans le futur. Alors, je ne vais pas détailler la carte, mais grosso modo, il n'y a que du rouge. Voilà, c'est simple à lire. Il n'y a pas de zone où, en fait, on va vers du bleu, donc vers des conditions un peu plus humides. Et plus alors, la première ligne en haut, c'est 1,5 degré de réchauffement, la deuxième, 2 degrés et 4 degrés. 4 degrés, c'est quand même là le scénario qu'on est en train de prendre, quand même, il faut réaliser ça. Et on voit que quasiment toute la Méditerranée est en rouge, et notamment ce qui est grave, c'est le graphique de droite, SPI 48, c'est un indicateur de sécheresse sur 4 ans consécutifs. C'est-à-dire que le risque, c'est d'avoir des sécheresses multiannuelles qui durent, et c'était un peu ce qu'on a eu cette année. Si on a une sécheresse et qui s'étend pendant la période hivernale, on ne peut pas recharger les nappes, etc. Donc il y a un effet boule de neige assez catastrophique, avec des impacts beaucoup plus forts qu'une sécheresse ponctuelle sur une année. Voilà. Et je vais passer la parole à Alix. Merci. Oui, on va continuer. Et dans la suite de ce qu'a présenté Yves, on le voit, double. On va focaliser cet après-midi sur un double aspect, à la fois les sécheresses et puis à la fois les événements extrêmes. Et on va revenir particulièrement sur ces problématiques d'adaptation en ayant en tête... Un événement extrême en région, vous le connaissez tous. Et là, j'ai pris l'événement du 15 septembre qui a touché l'arrière-pays, des précipitations en amont de Bédarieux et de l'Audève. Et pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Sur cet événement-là, les couleurs, plus on monte dans les couleurs, vert c'est, vous l'avez vu, 20 à 50 mm, jaune on dépasse les 50 mm, rouge on dépasse les 100, violet on dépasse les 300, noir on dépasse les 500 mm. Entre l'Audève et Bédarieux, il est tombé en 10 heures 600 mm d'eau. C'est au-dessus de Lunas, hein, entre Roquredonde, c'est près du plateau du Kélard, là où il y a le fameux lac des Rives qui sort tous les 9 ans ou tous les 10 ans. Yves le disait, à Perpignan, il est tombé depuis le début de l'année 200 mm. Ben là, Roquredonde, il est tombé 600 mm en 10 heures. Et en fait,
cet événement qui est extrême, 600 mètres en 10 heures, bon, on en a parlé, mais le lendemain, on n'en parlait plus. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a eu zéro victime. Et alors, est-ce qu'on peut dire, tiens, c'est un hasard, une bonne chance, une bonne étoile ? On a eu zéro victime sur cet événement-là, 600 mm en 10 heures. Et en fait, non, ce n'est pas tout à fait le cas. Et c'est la France, la région, est un peu précurseur, parce que connaissant ces épisodes de Sevenol et méditerranéens depuis des années, pour développer ce que, à l'échelle internationale, aujourd'hui on appelle les systèmes d'alerte précoce. Pour info, le secrétaire général des Nations Unies, l'année dernière, a fait le constat en disant aujourd'hui, sur la planète, il y a moins d'un pays sur deux qui dispose d'un système d'alerte précoce. On a un objectif, nous, les Nations Unies, c'est que dans 5 ans, tout citoyen de la planète soit couvert par un système d'alerte précoce. Donc c'est ce programme, ce grand projet, Early Warning for All, qui a été lancé à la COP27 l'année dernière en Égypte, on y était, et cette slide, je l'ai préparée pour justement être présentée à la COP27. Et en fait, un système d'alerte précoce, qui est la première brique de l'adaptation au dérèglement climatique, elle montre bien que l'alerte précoce, c'est pas juste de l'avertissement météo qui part vers les gens, mais que pour faire de l'alerte précoce, il y a des piliers, il y en a quatre. Le premier, c'est connaître le risque, c'est tout un travail en amont pour faire tout ce travail statistique, passer les conséquences sur le territoire, quelles sont les zones inondables, quels sont les historiques, quels sont les enjeux, la connaissance du risque. Et la connaissance du risque, pourquoi ? Pas pour le plaisir de la connaître, mais pour faire la deuxième brique qui est le preparedness, la préparation. Et ce qu'il faut savoir, en France, la France a été le premier pays qui, en 2004, dans le cadre de la loi de modernisation de la sécurité, a créé un concept qui s'appelle le plan communal de sauvegarde, où toutes les communes ont l'obligation de bâtir un plan communal de sauvegarde, c'est-à-dire établir et regarder les zones inondables de la commune, par exemple, en parlant d'inondation, les croiser avec des enjeux. Où sont mes écoles, où sont mes parkings, où sont mes EHPAD, où sont mes quartiers en zone inondable, etc. Et imaginez les actions qui doivent être mises en œuvre lorsqu'un événement arrive. Je ferme une route, j'évacue un parking, je mets en sécurité une école, j'évacue un EHPAD. Et après, il y a un système de monitoring. Comment on suit les pluies, les prévisions, les niveaux dans les cours d'eau, Vigicru, les cartes de vigilance, etc. Et puis, le quatrième pilier, c'est la dissémination. C'est comment j'informe les gens qui vont avoir à prendre des décisions, j'envoie des messages, j'envoie des SMS, des notifications, des coups de fil. Dans la salle, certes, beaucoup d'entre vous ont dû déjà recevoir des SMS, soit de votre commune, soit de vos assureurs. Et en fait, en deux mots, notre travail à Prédict, en fait, c'est de travailler sur tous ces sujets. Et au moment où je parle, et je suis venu ce matin, et puis je me suis échappé en fin de matinée pour rejoindre la salle de crise qui est celle-là, qui est à 5 minutes d'ici. Et cette salle, elle est active comme ça en ce moment depuis 3 semaines. Parce que depuis cette salle, les ingénieurs sont en suivi depuis la tempête Céline, la tempête Kiaran, la tempête Domingo. Et aujourd'hui, tous ces téléphones sont en ligne avec les communes du Pas-de-Calais pour, depuis des jours et des jours, et commencer à se préparer à la journée, la nuit qui arrive, puisque dans le Pas-de-Calais, après deux semaines de pluie incessante, des cours d'eau qui sont très hauts, il y a encore une nouvelle cellule pluvieuse intense qui va traverser le Pas-de-Calais, va refaire monter ces cours d'eau, et donc il faut prendre toutes ces actions de mise en sécurité, etc. Et c'est cette salle, depuis cette salle, que à 3h du matin, on a réveillé le maire de Lunas, le maire de Bédarieux, le maire de La Tour-sur-Orme, le maire de Bousquet, le maire de Lodève. La veille au soir, on leur avait envoyé un message en leur disant « Attention, demain, dès la matinée, il est possible qu'il y ait des orages importants » et que ces gens-là avaient mis sur le pont les services techniques, appelé les pompiers et sont allés fermer les routes, évacuer les parkings, faire monter les gens à l'étage. Et c'est sous cette démarche, en fait, de l'alerte précoce qui permet de faire une réponse à ces événements. Et ça, c'est vrai sur les inondations, c'est vrai sur les tempêtes, c'est vrai sur tous les sujets. Alors, le temps est compté, on a des maîtres du temps qui sont là, on va donner la parole aussi à la salle pour discuter. Mais, et je crois que Yves est aussi, il a abordé le sujet, on ne peut pas avoir dans une salle comme ça, avec la pression de centaines d'histoires qui sont derrière nous, finir
une séance sur le dérèglement climatique en ne parlant que de l'adaptation. Parce que comme l'a dit Yves, ce qui va se passer dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, c'est pas écrit. Et en fait, ce qui va se passer, c'est ce qu'on va décider, nous et les autres. Et aujourd'hui, il y a deux scénarios. Yves les a montrés, en conséquence, la Méditerranée. Ça, c'est une étude de Météo France, hein, qui est le rapport Drias, conséquence sur la France de ce qui peut se passer. Aujourd'hui, Yves l'a dit, on est sur un trend de prise de décision qui font que on va tout droit vers un scénario à plus 4 degrés. Et que, année après année, quoi qu'on fasse, on reste sur les courbes maximales qu'avait écrit le GIEC. Et aujourd'hui, je me dis que très souvent, on a présenté les recommandations où on a des gens qui nous donnent des orientations un peu culpabilisantes sur la suite. Et je me dis que on est peut-être, et on est certainement, la première génération qui avons entre les mains un choix, qui est de dire j'ai le choix de laisser à mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, une planète qui est soit vivable, soit compliquée. Et que ce choix-là, pour moi, il n'a rien ni de culpabilisant ni de négatif, et qu'il devrait être enthousiasmant. Il devrait être enthousiasmant parce que c'est un projet qui est extrêmement positif et que je sais que c'est un choix qui est difficile parce que il y avait un économiste américain qui, il y a 50 ans, Kenneth Boulding, disait « Celui qui croit que dans un monde de ressources finies, on peut avoir une croissance infinie exponentielle, c'est soit un fou, soit un économiste. » 50 ans après, on est à peu près dans la même question. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de fous ou beaucoup d'économistes, mais on n'a que de solutions à dire ben, « Allons plus vite, allons plus loin, allons plus fort. » Et que le choix entre des deux courbes, il est peut-être à réfléchir différemment notre avenir. Mais encore une fois, je le répète, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est culpabilisant, qui est négatif ou qui est contraignant. Ça doit être quelque chose qui est enthousiasmant. Merci.